Le photographe cherche, à force de patience et d'humilité, à faire apparaître le contour intérieur d'un visage. Comme nous donnons trop souvent à notre vie, activité maniaque, souci d'argent, carrière, ulcère, l'allure d'un suicide étalé sur 50 ans, ce contour intérieur est affaibli, érodé ou inexistant. Sous un vernis qu'un rien suffit à écailler, nous arborons des visages vacants, chambres vides, dont on se gêne et qu'on meuble à la hâte, et tant bien que mal, avant le verdict du photographe, façon de ne pas perdre la face. La seule présence de la caméra nous arrache un instant à la torpeur quotidienne et provoque un élargissement de conscience. On se demande soudain d'où l'on est venu et où l'on souhaite aller. Les souvenirs et les projets vous montent à la figure comme un coup de sang. Pour le photographe qui attend et qui cherche, cette résurrection hâtive et toujours un peu panique d'un visage est un phénomène très émouvant. Et on lui avait interdit d'avoir un troisième enfant. Apparemment, on m'a tapé dessus pour lui faire éviter cette grossesse avec les moyens du bord, qui n'étaient pas très efficaces puisque je suis là pour en parler. La ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. 1929, au Grand Lancy, tout près de Genève. J'ai donc eu la chance de passer mon enfance à la campagne. Étonnante alchimie du souvenir. Il y a des choses devant lesquelles on ne peut que fuir. On a raison de prendre ses jambes à son cou. J'ai pris le large parce que j'en avais besoin, mais c'était une fuite positive, une course vers des choses dont j'avais besoin. Mais je ne dirais pas que le voyage distille une forme de connaissance dont il aurait le monopole. Un moine cistercien peut avoir le même... J'ai rencontré plus de gens que je n'en pourrais aimer et promis plus de textes et d'articles que le dieu Shiva n'en pourrait écrire, même avec ses 12 bras. Stress, mauvaise conscience, stress. Ça peut être aussi l'alcool, l'éther, le sentiment mystique, les états de fatigue physique extrême. Le voyage fournit des occasions de s'ébrouer, mais pas comme on le croyait la liberté. Il fait plutôt éprouver une sorte de réduction. Privé de son cadre habituel, dépouillé de ses habitudes comme d'un volumineux emballage, le voyageur se trouve ramené à de plus humbles proportions. Plus ouvert aussi à la curiosité, à l'intuition, au coup de foudre. Ce que je veux dire, c'est que, comme l'état d'écriture ou l'état de poésie, j'aime pas beaucoup ces mots, mais je les utilise faute de mieux, et toujours pour moi, en tout cas, au début, une épreuve. Je ne m'en préoccupe pas. Il est clair que si je n'avais fait qu'écrire, je me serais vidée de mon sang, comme une autre, comme un pot cassé, ce vide de son eau. Alors je me ménage tout en me reprochant. Je me dis, j'en aurais pas fait assez pour l'image du monde intérieur ou extérieur. On se retrouvait alors avec dans les vertèbres lombaires une pointe de lance qui abrégeait votre existence. Voici 42 ans, enlevé 15 ans passés sous d'autres cieux, que j'ai peint cette chambre dans un rouge Pompéi, auquel le tabac et le feu de cheminée ont donné une patine cuivrée. 42 ans qu'un menuisier a posé juste au-dessus du foyer une bibliothèque à moulure de chêne qui rend cette pièce hospitalière et rassurante. La bibliothèque contient les œuvres presque complètes. Entre dans la forme, sort de la forme et trouve ta liberté. Toute création, je dirais même toute existence digne de ce nom, doit passer par ces trois étapes obligées. Et pour moi,
La liberté intérieure est bien la seule conquête qui vaille qu'on risque sa peau dans ce monde trompeur. Devenir invité muet avant de piper mot, avant de vouloir nommer ce qu'on voit, parce que dans une certaine mesure, si on veut convoquer les choses dans leur fraîcheur native, il faut avoir soi-même quasiment disparu. Je trouve qu'entre le voyage et l'écriture, il y a un point commun, pour moi très important. Dans les deux cas, il s'agit d'un exercice de disparition, d'escamotage. Parce que quand vous n'y êtes plus, les choses viennent. Quand vous y êtes trop, vous bouffez le paysage par une sorte de corpulence morale qui fait qu'on ne peut pas voir. C'est que j'avais le sentiment d'une destinée historique. L'impression que l'Asie était la mère de l'Europe, une mère humiliée par les massacres et les guerres coloniales. Que Pestelli appelle dans un très beau texte une mère courbée. Pour moi, il y avait la grand-mère, qui était l'Asie, et la mère, l'Europe, et la fille et l'Amérique. Je crois volontiers qu'ici les distractions sont rares et les danseuses plus rares encore. Tout de même, ils mettent un peu trop de langueur dans leur simulacre. Ceux qui ont vu l'accordéon et la guitare dépasser de notre bagage nous demandent bien poliment de leur jouer quelque chose. Valse et Java, les militaires se déhanchent, tendrement enlacés. Tout ce qui est absent est sucre. Tout ce qui est rouge est jaune. Tout ce qui... Je suis portraitiste. Si le paysage est superbe, je le prends. Et si la photo est bonne, je m'en réjouis. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est le visage des gens. Et encore plus, ce qui se passe entre le photographe et le modèle. On voit bien qu'il y a une dérive de l'Est vers l'Ouest, jusqu'à l'Amérique, fille de l'Europe, qui s'est créée en détruisant la magnifique culture peau rouge, ce qui est un désastre. Au lieu de l'Amérique, je devrais dire nous, puisque cette culture est un produit de la nôtre. La tête et le socle. Cette rupture se situe à la hauteur de la cravate, du collier de perles ou du grand cordon pour les têtes couronnées. J'ai l'impression d'être coquille. Nicolas Bouvier a 24 ans, Thierry Vernet 26. Et m'apparaissent irrémédiablement comme des guillotinés recollés. Nous avons concentré toute l'expression et toute l'information, état d'esprit, santé, ambition, conditions sociales, dans un visage qui, tiré à U et à Dia, n'est jamais en repos, tandis que notre corps, comme anesthésié, ne raconte presque rien. Devant certains portraits 1900, on reste convaincu que si le faux col n'était pas si raide, ses pesantes têtes à moustache et à programme feraient basculer le sujet en avant. Le chant étouffé d'un coq, un raid soleil sur un samovar, une strophe égrenée par un derviche à l'ombre d'un camion en panne, ou ce panache de fumée au-dessus d'un volcan japonais. De retour en Europe, ou lors des longs bivouacs hivernaux qui parfois ponctuent un voyage, ces images se bousculaient dans ma tête, fortes de leur fraîcheur native, et demandaient impérieusement la parole. L'heure d'en avoir 13, le premier voyage. Oui. J'avais 11 ans. J'entrais. 6 heures du matin. J'avais 23 ans au début du voyage. Vous êtes une formation universitaire.